Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue par le précieux nom de Jésus. Amen. Et les bien-aimés qui nous suivent en ligne, nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Pour commencer ce culte, nous voulons lire ensemble Jean 19, 30. Si vous n'avez pas vos Bibles, on va projeter. C'est vraiment très court. La Bible dit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que notre Seigneur dit: tout est accompli. Amen. Notre Seigneur a payé le prix, bien-aimé. L'œuvre de la croix est une œuvre complète, parfaite. Amen. Jésus a payé le prix. Tout est accompli. Amen. C'est un cri de victoire. Un cri de victoire parce que Jésus a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, nous sommes vainqueurs. Amen. La Bible dit que le voile est déchiré. Il nous donne un accès libre auprès du Père. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, pas besoin de protocole ni de rendez-vous. Notre Seigneur nous ouvre ses portes. Amen. Et aujourd'hui encore, il nous veut dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons nous approcher dans la liberté. Nous voulons nous approcher avec assurance devant son trône pour dire combien il est grand, notre Seigneur, combien il est glorieux, notre Seigneur. Il a tout accompli, notre Dieu. Il a payé le prix. Amen. Amen. Pouvons-nous nous lever avec joie devant le Seigneur, notre Dieu, devant ce grand Dieu, ce grand majestueux. Notre Dieu a vaincu. Et rendez-lui l'honneur qui lui est dû. Élevant nos voix et bénissant le Seigneur. Il a tout accompli, notre Dieu. Il est grand, notre Seigneur. Nous ne sommes plus redevables, alléluia. Nous sommes libres en Jésus. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Notre Dieu a payé. Il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite notre adoration, alléluia. Combien il est grand, notre Seigneur. Combien il est puissant, notre Dieu. Combien il est redoutable. Alléluia. Bénissons son grand nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons que te rendre gloire éternelle. Tu as payé le prix. Alléluia. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Tu as payé le prix. Tu as fait de nous des sacrificateurs. Tu nous as établis, Seigneur, mis à part pour ta gloire. Oh, merci Seigneur pour le prix payé. Merci Seigneur, tu as tout accompli. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Et nous voici dans ta liberté. Nous voici Seigneur pour t'honorer, pour te glorifier. Parce que tu l'as fait par amour pour nous. Tu l'as fait par amour Seigneur. Tu l'as fait par amour Seigneur. Alors nous ne pouvons nous taire devant toi. Avec assurance, nous nous approchons. Avec assurance, nous nous approchons de toi. Le voile a été déchiré, alléluia. Merci Seigneur, toi qui nous accueilles. Merci toi qui nous reçois dans ta présence. Merci toi qui nous reçois dans ta présence. Oh oui, sois loué. Oh oui, sois béni. Oh oui, sois glorifié, magnifié. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Nous
Oh,
Tu es mon amour, 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 t
Que les voix se lèvent en toute liberté pour adorer le Seigneur. Alléluia. Si tu te sens poussé par l'Esprit, élève ta voix et adore ton Dieu. Alléluia. Je suis que tu as ma vie dans sa main. J'ai mis la vie de moi dans sa main. Les océans, les mers dans sa main. Le monde entier dans sa main. C'est lui qui tient ma vie dans sa main. Comme une vie de bois dans sa main. Les océans, les mers dans sa main. Le monde entier dans sa main. C'est lui qui tient mon âme dans sa main. Comme une vie de bois dans sa main. Les océans, les mers dans sa main. Le monde entier. Gloire à Dieu, j'appartiens à Jésus, gloire à Dieu, je suis sanctifié, gloire à Dieu, j'appartiens à Jésus, gloire à Dieu, je suis justifié, gloire à Dieu, j'appartiens à Jésus, gloire à Dieu, je suis justifié, gloire à Dieu, j'appartiens à Jésus, gloire à Dieu. C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. C'est lui qui tient mon âme. C'est lui qui me tient entre ses mains. Oh, je bénis ton nom parce que, oh, je ne suis peut-être rien devant les hommes, mais devant toi. J'ai une importance, Seigneur. Oh, Père, comment ne pas te dire merci? Parce que tel que je suis, Seigneur, tu m'as récupéré, Seigneur, et tu as fait de moi ce que je suis. Tu m'as dit que tu m'aimes et que ton amour pour moi ne peut changer. Ton amour ne peut changer. Et cela me suffit, Seigneur. Cela me suffit. Cela me suffit, Emmanuel. Oh, que ton nom soit glorifié. Selon toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Justifié, pardonné, aimé. Merci, Jésus. Merci infiniment. Merci. J'ai béni ton nom. Merci Seigneur pour cet après-midi. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Merci. Merci. Jésus lui dit,
semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui peut nous aimer, Seigneur, comme tu nous aimes? Qui peut, Éternel, nous pardonner comme tu nous pardonnes? Qui peut nous restaurer comme tu nous restaures? Qui comme toi, Seigneur, peut guérir nos cœurs? Qui comme toi relève nos têtes? Qui comme toi, Seigneur, nous donne de la force et du courage? Qui comme toi, Seigneur, nous rend vainqueurs? Qui comme toi ferme nos pas? Éternel, qui comme toi, Seigneur, connaît le chemin? Éternel, à qui pourrions-nous te comparer? Ce que tu as accompli dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, ô mon Dieu, comment te remercier, Seigneur, comment te rendre grâce? Seigneur, comment te remercier, comment te rendre grâce? Nous nous sommes si faibles, nous nous sommes si insignifiants. Lorsque nous sommes devant toi, Seigneur, et nous regardons à ta bonté, Seigneur, nous ne savons comment te remercier. Nous ne savons comment te remercier, Seigneur, car ton amour est inexplicable, Seigneur. Ton amour est incommensurable, mon Dieu. Reçois de nos cœurs la reconnaissance. Reçois de nos âmes la reconnaissance de ton bien. Oh Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, tu es incomparable. Mon Dieu, tu es Thank you.
marcherons pas comme le commun des mortels. Nous ne subirons pas notre vie. Dieu a payé. Le Seigneur a payé. Amen. Le Dieu du tout à coup. Amen. Nous voulons encore laisser la place à la parole de Dieu. Pouvons-nous prier pour nos cœurs? Le Seigneur veut nous parler. Assurément, le Seigneur veut nous parler en cet instant. Et nous voulons encore lui laisser la place pour qu'il nous parle. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Et recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Alléluia. Merci, Papa Jésus. Merci, car ta parole est une lumière. Merci, Seigneur. Toi qui veux nous parler, nous toucher. Ta parole ne descend jamais, ne retourne à toi sans accomplir tes desseins. Et nous voulons, Seigneur, éternel, recevoir ta parole avec joie, peut-être, et te laisser te parler. Merci, Seigneur, de prendre ce sacre, de bénir ton serviteur, le canal par lequel il veut parler. Papa, parce que nous savons que tu vas nous parler encore, encore et encore. Et comme nous venons de le chanter, c'est toujours un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Père, merci pour ta parole. Merci, ô Éternel, pour ta présence au milieu de nous. Père, nous nous abandonnons maintenant entre tes saintes mains, afin que toi-même tu prennes possession, Papa, de nous. Papa, ton peuple a soif d'écouter ta parole. Parle, Papa, afin que nous puissions nous rediriger, nous remettre sur le droit chemin qui mène vers toi. Papa.
parle, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Pars. 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 Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Oh papa, rends-nous enseignables, rends-nous réceptifs à ta parole. Et surtout que nous portons du fruit. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons annoncé que c'était le pasteur Patrick qui devait prendre la parole. Mais comme vous verrez à la fin, il passera, dira moi à l'église, comme il a un peu souffrance, pour cela je le remplace. Aujourd'hui, nous allons parler sur le temps des dieux. Amen. Souvent, quand nous préparons la parole, surtout moi, ça m'arrive souvent, je suis un peu buté quand il faut mettre le titre à un message. Parce qu'en écoutant le dernier chant que nous venons de faire ici, je vois le problème des cœurs se répète. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas intitulé ça, le cœur? Vous allez voir par où nous allons atterrir. Nous allons parler des deux récits dans la parole. Le premier, nous allons parler de la veuve de Naïm, celle qui avait perdu son fils. Et après, nous allons parler de notre père de la foi, Abraham. Et ces deux récits pour nous amener à voir le temps des dieux. Quand est-ce que Dieu décide d'agir? Comme vous le savez, Dieu est en dehors du temps. Il peut agir quand il veut. Comme dirait le pasteur Patrick, il connaît son job. Il sait que j'agirai à tel moment, à tel instant. Comme ça, chez papa Jean-Jacques, j'ai agi à droite. Chez papa Aimé, j'irai à gauche. Chez maman Odile, j'irai en haut. Chez maman Sylvie, j'irai en bas. C'est lui qui sait. Nous allons lire le premier texte qui est dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 7, versets 11 à 13. Luc chapitre 7, versets 11 au verset 13. Luc chapitre 7, verset 11 au verset, pardon, j'ai dit combien, 11 à 13, 11 à 17. Nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, pardon. Ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Le décor est simple. Dans cette ville, dans ces villages de Galilée qu'on appelle Naïm, si nous essayons de nous imaginer la scène, il y avait deux cortèges. Il y avait d'un côté le cortège triste, le cortège désespéré, le cortège qui conduisait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Et dans ces cortèges, il y avait beaucoup de larmes. Les gens pleuraient. Dans ces cortèges, tellement qu'il y avait des gens qui pleuraient, il y avait beaucoup d'interrogations.
voix, elle. Il n'y a pas longtemps, elle vient de perdre son mari. Et maintenant, c'est son fils unique. Pourquoi? Comment? Souvent des questions que le Seigneur ne nous répond pas. Et de l'autre côté, il y avait un cortège magnifique. Parce que quand vous voyez bien au début de ces textes, on dit le jour suivant, le jour d'avant, Seigneur Jésus avait guéri le serviteur de centenier. Si vous vous souvenez bien, c'est lui qui avait, que Jésus avait dit que sa foi, il n'avait jamais vu quelqu'un qui avait aussi une grande foi, même en Israël. Le cortège où Jésus était au centre. Le cortège où il y avait plein de vie, plein de foi, plein de joie. Parce qu'il vivait, je dirais, miracle sur miracle. Ils étaient avec Jésus. Puis, comme la parole nous dit, aux portes de la ville, les deux cortèges se croisent. Les deux cortèges se croisent. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus qui était dans le cortège, avec plein de joie, plein de miracles, qui marchait grâce sur grâce, s'invite à l'enterrement, s'invite à l'autre cortège. Il ne contourna pas ses âmes en peine. Jésus fut ému de compassion. Il se dirigea vers cette dame, vers cette veuve, et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus s'approcha, il toucha le cercueil, et il communiqua une parole de vie. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le récit nous dit que le miracle a eu lieu. Le mort s'assit et s'est mis à parler. On dit Jésus le rendit à sa mère. Vous savez qu'à l'époque, aller toucher un cercueil comme ça, vous devenez souillé. Une fois de plus, Jésus qui était dans le cortège de gens joyeux, parce qu'il y avait miracle sur miracle, démontre une fois de plus qu'il est au-dessus de tout. Il posa sa main sur le cercueil. Non simplement il ne fut pas souillé, mais deuxièmement, par sa puissance, il chassa la mort. Par sa puissance, il chassa la mort. Je ne sais pas dans quel état vous êtes arrivé ce matin. Je ne sais pas, c'est tout. Je sais aussi comment ça se passe à la maison, dans la famille, au travail, dans les études. Je ne sais pas. Mais si je demande à chacun de nous de dire ses problèmes, je suis sûr qu'on va commencer tous à pleurer ici. Juste pour vous dire que Jésus n'ignore pas votre souffrance. Juste vous dire que Jésus ne vous contourne pas. Il ne veut pas simplement rester avec des gens qui se réjouissent. Parce que souvent quand nous souffrons, c'est que souvent le malin arrive à nous faire, nous commençons à nous comparer. Oui. Regarde l'autre, alors que pourtant il ne prie pas. Regarde, ses affaires avancent. Pourtant, alors que moi, je continue à reculer. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, Jésus te dit par amour, j'arrête même d'utiliser le pluriel, je vais descendre un peu à la deuxième personne du singulier, ne pleure pas.
ne pleure pas. Toi qui passes dans un temps de deuil, ne pleure pas. Toi qui viens de perdre ton travail, tu es fatigué de chômage, ne pleure pas. Toi qui as tout perdu, je ne sais pas, tu as perdu tout comme Job, ne pleure pas. Ancien, tu ne sais pas, c'était le dernier, si je ne réussis pas ça, c'est fini, je suis exclu de l'université, ne pleure pas. Toi qui pensais qu'à la maison, il te restait qu'une poignée de farine et qu'une cruche d'huile, quand vous mangez, après, par après, vous mourrez. Ne pleure pas. Ainsi, je ne sais pas. On m'a dit, le docteur m'a dit, oui, c'est vrai, je sais. Il m'a dit, c'est fini, j'ai le cancer, c'est fini, il n'y a pas de traitement. Moi, je viens te dire ce jour-ci, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire, ne pleure. Le Seigneur s'invite dans tes souffrances. Jésus ne te contourne pas. Il dit, ne pleure pas. Parce que tu dois t'élever et aller de l'avant. Oh, bien sûr, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Je ne sais pas ce qui semblait, je dis bien, semblait mourir dans notre vie. Qu'est-ce qui semblait s'arrêter? Quelle est cette faute-là que tu as faite? Tu dis que c'est fini. Demain, je vais, j'ai mon C4. Qu'est-ce qui fait que je fais telle chose? Et Seigneur, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je ne peux plus. Mais le Seigneur dit, ne pleure pas. Il vient jusqu'à toi aujourd'hui. Il a vu des larmes. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes prières. Et il dit, ne pleure pas. Il vient et il pose sa main sur toi. Quand je te dis, ce qui semblait mourir va reprendre vie. Et les larmes seront remplacées par le chant de joie. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit que j'avais deux récits à vous faire. Le deuxième, vous connaissez tous, mais nous allons lire simplement six petits versets dans Genèse 15. Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 15, verset 1 au verset 6. Genèse, chapitre 15, verset 1 au verset 6. Ma sœur ne pleure pas. Amen. Mon frère ne pleure pas. Nous lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Je pense que ce verset, nous l'avons vu pendant, je pense, une année et demie ou deux ans.
Rien que ce verset 6-là. Je pense que nous tous nous nous souvenons. Nous nous souvenons de cela. Quand Dieu promet quelque chose, soit il l'accomplit directement, soit il y a un temps d'attente. Dans ce récit, nous voyons bien que quand cette promesse était faite, Abraham avait autour de 80 ans. Sarah autour de 70 ans. L'âge avancé, humainement parlant, c'était impensable pour eux d'avoir des enfants. Mais au verset 6, on dit Abraham crut en l'Éternel. Parenthèse, ça c'est le fondement de l'évangile sur la grâce. Et cette promesse a mis plus ou moins 20 ans à s'accomplir. Déjà à 80 ans, c'est impensable. 20 ans après, je ne sais pas ce qu'on va qualifier, pour ne pas dire impossible. Parce que je vois déjà des jeunes couples qui ont des enfants, quand il faut se réveiller à 3h du matin, quand le bébé pleure, quand ça commence à dire, écoute, c'est ton enfant qui pleure, tu ne veux pas aller voir. Et à 80 ans, qui va s'élever? Donc, humainement parlant, on est fatigué, le corps est fatigué. Mais durant ces 20 ans-là que je vous ai parlé, durant ces temps d'attente de ta promesse, durant ces temps d'attente que tu as demandé au Seigneur, que tu attends les temps d'épreuve, c'est pour que le Seigneur t'amène à maturité. Durant ces temps-là, il faut, tu dois faire confiance totale à Dieu. Oh, il y aura beaucoup de tentations, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais il faut faire une confiance totale à Dieu. Et il faut lui demander de la patience. Parce que c'est très dur. C'est très dur. C'est très, très dur. Surtout, passer la scène. Oh, ancien, c'est facile à dire. Oui, je sais. Quand nous regardons dans le récit, on va voir bien que Abraham et Sarah, à un moment donné, se sont découragés. Ils ont dévié de la promesse. La parole nous dit que Sarah, par après, proposa Agar, sa servante, à Abraham. Il s'est dit, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Prends alors ma servante. Elle pensait aider à la réalisation du plan de Dieu. C'est vrai que parfois, quand on lit la parole, on peut l'interpréter de différentes manières. Parce que quand nous lisons bien, on dit quand Abraham parlait à Dieu, tu ne m'as pas donné de postérité. Au verset 4, on dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Je veux dire, Abraham, il a dit, sortira de tes entrailles, prends ma servante. Parfois, quand on est coincé, on commence à chercher des cycles courts. On commence à chercher à interpréter, on dit, mais oui, il a dit ça, mais... Sarah s'est dit, mais oui, sortez-la de tes entrailles, prends ma servante. Comme vous le savez, Agar, enceinte, le problème commence. Conflit entre Agar et Sarah. Et puis vient sortir Ismaël. Et souvent, vous allez voir dans des cas comme ça, où on dévie de la promesse de Dieu, conséquence, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que je veux vous exhorter cet après-midi, que durant ces temps d'attente, il n'y a que deux façons. Soit on les dit, je le passe par la foi, je garde ma confiance en Dieu,
Je garde cette patience. Je sais qu'il agira. À ce moment-là, Isaac va apparaître. Isaac va naître. Quand nous passons cette phase d'attente en ayant confiance en Dieu, ça nous avons vu ça la fois passée. Je commence, la sœur Sylvie qui a commencé, moi j'ai enchaîné. Quand vous regardez dans Philippiens, quand l'Éternel dit, il nous donnera sa grâce qui surpasse toute intelligence et gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Je ne comprenais pas, en fait, avant quand je disais cela. Mais en fait, la paix que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, donne, la paix qu'il va te donner, quand tu lui fais confiance, donc tu fais confiance en Dieu, en ce qu'il t'a dit, lui te donne sa paix. Et cette paix-là est au-dessus de toute intelligence. Donc on peut se réunir ici, réfléchir, on va faire ceci, cela, ceci. Notre intellect, notre intuition, cette paix-là est au-dessus. Et puis il nous dit également que cette paix-là va nous protéger contre l'anxiété. Cette paix-là va nous protéger contre les doutes. Cette paix-là va nous protéger contre la peur. Cette paix-là va nous protéger contre la détresse. La seule manière, c'est de lui faire confiance. Il a dit cela, il a dit d'attendre, j'attends. Je lui fais confiance, il met sa paix. Ou l'autre, c'est de chercher à vivre par la vue. Quand nous commençons à faire des comparaisons, c'est de chercher à vivre par la chair. Quand on se lasse d'attendre, on se dit, j'ai beaucoup attendu. Regarde, les autres avancent. Les autres font des choses, gauche, droite, ils avancent. Moi, je n'avance pas. Je viens vous exhorter cet après-midi de tenir bon. Gardons foi en Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il met sa paix en nous. Et là, je te dirais, nous devons attendre le temps de Dieu. Lui seul sait, il sait. Oh, Seigneur, tu ne sais pas, j'ai longtemps souffert. Oui, je sais. Mais je n'ai pas de solution. La seule personne qui a la solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, il te demande de mener le bon combat de la foi, de tenir bon. Parce que son temps, il viendra. Il est en dehors des temps. Il est en dehors des temps, il est en dehors de toutes choses. Pour vous exhorter, pour vous montrer encore en plus qu'il s'agit que de problèmes des cœurs, on va lire un verset dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend pas son regard, ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je m'arrête même là. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je dis, pour avoir le cœur tout entier à lui, il faut que cette paix-là qu'il donne garde, comme il dit, ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient va défendre son peuple, même si son peuple lui obéit. Si son peuple tourne son regard, ses pensées sur lui, si on fait une fixation sur Dieu. Vous savez, parfois,
Nous faisons même des fixations sur le péché. Mais ici, il nous demande de faire une fixation sur lui. Il n'a pas dit que tes problèmes soient effacés. Non. Mais il dit ton cœur est tout entier à lui. J'aime m'amuser parce que cette exhortation m'est venue juste après la veillée de vendredi. J'ai tourné ma Bible, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'ancien aimé. Le seul verset, quand je vois ancien aimé tourner dans Hébreux, je sais déjà où est-ce qu'il va aller. Il aime tellement ces versets que je veux le dire, que vous connaissez tous, je suis sûr. Hébreux 11, verset 6. Je me suis dit, je veux comparer un peu tous ces versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça va m'amener? Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, sans la confiance en ces dieux-là, ça commence par là. C'est dès qu'on a confiance en ces dieux-là, Dieu dépose sa paix en nous. Et sa paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et quand Dieu promet son regard pour voir son peuple, qu'est-ce qu'il va défendre? Il voit que ton cœur est tout entier. Je me suis dit, je vais comparer encore le troisième verset. Parce que ces derniers temps, dans ma maison, il y a un verset qui circule terrible. Martin n'arrête pas de nous donner ces versets-là quand nous voulons méditer. C'est dans Jérémie 29. C'est encore un verset que vous connaissez. Mais vous allez voir que c'est, tous ces versets, ça parle de la même chose. Jérémie 29. Là aussi, je n'irai pas loin. Quelque chose que nous connaissons. Je vais commencer au verset 11. Je vais lire verset 11 au verset 13. Jérémie chapitre 29. Verset 11 au verset 13, nous lisons. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Quand on s'arrête là, ça paraît simple. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je dis, mais vraiment, mon Dieu, c'est un encanté. Tout ça ne parle que du cœur. Et si tu veux que ton cœur soit gardé en Christ, tu dois le faire confiance. Il connaît son job, il connaît son travail, il sait quand est-ce qu'il va agir. Ça semblait mourir, ton affaire, je ne sais pas. Ça semblait mourir, ça semblait dépasser ton cas. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Mais garde confiance en lui. Dieu est là. Regardons à Dieu et non à nos problèmes. Quand je disais, parfois nous plaçons le péché au centre de notre vie. Ce n'est pas que vous péchez, ce n'est pas que vous faites des péchés. Non, il y a parfois, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Vous êtes, chaque fois vous devez mentir. Ça vous fait tellement mal que vous ne pensez plus à ça, au mensonge. Comment je vais arrêter de mentir? Vous prenez le mensonge, vous le mettez au milieu de votre vie.
Là, vous commencez même à souffrir. On oublie même que c'est Dieu d'amour. Parce que le mensonge vous fait ça. Ah, je viens encore de mentir. Donc, ce qui va arriver après, ce sera désastreuse. On prend le mensonge, on met devant. Ah, j'ai un problème de pancréas. Ça ne fonctionne plus. On prend le problème de maladie, on met devant soi. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, ces problèmes arrivent. Mon problème de mon travail, ou on prend le problème de travail qu'on met au centre de sa vie. C'est ça que je voudrais parler. Je ne parle pas que ces messieurs-là pêchent, ces dames-là fait ça. Non! Qu'est-ce que nous devons mettre au centre de notre vie? C'est la confiance en Dieu. Le chemin saint, confiance en lui. Il te donne sa paix. Sa paix prend ton cœur et tes pensées en Christ. C'est pour ça que quand Dieu vient regarder, quand il promet son regard, il te voit, il voit que ton cœur est tout entier à lui. Amen. Demande ce que tu demanderas, tu verras comment les choses vont se réaliser. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons faire monter des chansons de louange. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons chanter pour l'Éternel. Nous allons dire que Dieu est amour, Dieu est grand. Dieu ne nous a pas oubliés. Le premier récit de la veuve parlait, c'était à la fin. Seigneur, vous avez déjà pris mon mari. Seigneur, maintenant c'est l'enfant qui part. Et dans nos sociétés, on sait bien, ouais, mon fils qui reste là, je mets toute ma confiance en lui. Hein, c'est lui l'espoir de la famille. Mais il meurt. Et on va l'enterrer. Tout le monde dans le village se dit, mais c'est fini, cette dame. Regarde, c'est fini. Qui va l'aider? Dans ces vieux jours, qui? Mais le Seigneur lui dit, don't give up. Il est là. Il est là. Il connaît son temps. Il te demande simplement de lui faire confiance. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais nous allons chanter, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente ce matin. Nous allons prier. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais je te demande une chose. Ton problème, c'est sûr que tu ne vas pas l'oublier, mais fais confiance en Dieu. Regardons ces dieux-là. Fixons notre regard sur lui. Ne fixons pas le regard sur le problème. Le problème sera toujours là, mais gardons notre focus sur Dieu, sur son amour, sur sa puissance. Il agira toujours. Vous savez, parfois, j'ai mes demande, est-ce que les anges aussi tutoient Dieu? Je pense qu'il n'y a que nous qui tutoyons Dieu. Nous, ses enfants, nous les rachetés. Je pense que même quand il parle, tu seras béni. Mais nous, on parle à notre Père. Il a un papa. Le Seigneur Jésus nous a révélé, c'est notre papa. Faisons-lui confiance. Nous allons chanter avec l'équipe de louanges et nous allons prier. Je sais, je
Juste nous rappeler encore nos réunions.
Nous avons une veillée le vendredi passé, mais nous n'arrivons pas à dépasser un certain nombre. Venez, c'était encore formidable. Pour les gens qui étaient là, ils peuvent témoigner encore. Nous vous invitons vraiment à venir. C'est vraiment des moments merveilleux. Et n'oubliez pas, tous les lundis, il y a notre équipe d'intercession de 18h à 20h. C'est sur Zoom. Venez. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Vous savez, parfois, je l'ai dit souvent, il y a des choses, parfois on pense que ça peut venir comme ça. Il y a des choses, surtout médicalement parlant, quand on t'explique comment la guérison est arrivée, eux-mêmes, le médecin, ne savent pas. Ils ne savent pas. On dit, on essaye. On essaye. On donne. Mais nous, nous savons qui agit. Venez à ces réunions-là. Les dames se réunissent, prient tout le mercredi de 18h à 20h également. Et les jeudis, nous avons nos réunions d'enseignement de 18h à 19h30. Je voudrais simplement rappeler également la nouvelle, notre sœur Malaïka, si vous ne l'avez pas encore appelée, a perdu sa mère. Donc n'oublions pas nos bonnes manières, nos cotisations, de le remettre à l'église afin de soutenir notre sœur. Nous pouvons également l'appeler, le numéro de téléphone gêné, je ne vais pas donner sur les réseaux sociaux, mais les gens, nos frères et sœurs qui n'ont pas les numéros peuvent nous contacter à la fin du culte. Et je leur passerai le numéro. Le samedi 20 novembre, c'est le samedi prochain déjà, il y a réunion des hommes. Je n'ai pas dit réunion de papa, je dis réunion des hommes. Donc tous les hommes, ici, dans cette salle, à 16h. Réunion des hommes, ne manquez pas. Ne manquez pas, surtout certaines personnes dont je ne veux pas citer les noms. Ils manquent souvent dans les réunions des hommes. Je signale également, mais on vous dira encore plus de précision le dimanche prochain. Pas le dimanche qui suit, dimanche 21, mais le dimanche 28, la salle ici est prise. Donc nous allons faire le culte sur les réseaux sociaux. Mais le service de communication nous dira un peu comment cela va se dérouler. Donc notez bien, le dimanche 28, ne venez pas ici. Nous allons le faire sur les réseaux sociaux. Et le dernier communiqué, c'est le port de masque. C'est obligatoire dans toutes nos réunions. Port de masque obligatoire dans toutes nos réunions. Vous savez que le Covid augmente, mais je sais que par la grâce de Dieu, il va nous préserver de cette pandémie qui continue encore à faire des ravages. Je vais laisser la parole au pasteur Patrick qui va dire un mot à l'église et il va faire la prière finale. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau culte merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose durant ces cultes. Je pense que une flamme s'est allumée. Et moi, évidemment, comme pasteur, je n'écoute pas un message, pas seulement à mon niveau individuel, mais j'essaie d'écouter un message aussi au niveau par rapport à l'Église. Je crois que le Seigneur a beaucoup parlé à l'Église cet après-midi, en nous donnant des certitudes et des assurances. Ne pleure pas, tiens encore, fais confiance à Dieu. Ce qui semblait mourir est en train de prendre vie. Et je sais que nous avons eu un moment d'adoration et pendant que la sœur nous conduisait, on a ressenti une telle présence de Dieu parmi nous cet après-midi. Je pense que chacun de nous peut le témoigner. Si vous pouvez donner la parole à chacun d'entre nous cet après-midi, on peut dire qu'on a ressenti vraiment Dieu nous parler, nous toucher. Et je vous dis, faites confiance à ces dieux-là. Ben, j'aurais pu parler aujourd'hui, vous prêcher, mais ça n'a pas été possible, effectivement, parce que lundi, je m'étais fait opérer. Des très, très longues opérations, 5h30. Ici, et au niveau des glandes maxillaires gauche et
est sous-linguale, droite. Un deuxième microstème encore ici. Donc ça n'a pas été facile. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Quand je parle, ma langue colle encore. J'ai difficile à parler, tout ça, j'ai renoncé à prêcher. Seulement, j'espère que ça ne va pas rester. Moi, ça va être. J'ai vraiment l'impression que ma langue n'est pas tout à fait souple. Mais merci beaucoup parce que c'est parfois bizarre hein, qu'on a peur. J'avais une peur bleue. J'ai endormi les gens plusieurs fois. J'ai assisté à des opérations une fois, mais j'ai été opéré déjà deux fois de la même chose. C'est la troisième fois. Cette fois-ci, j'avais une peur bleue en allant à l'hôpital. Puis dimanche, juste après les cultes, je suis allé déjà directement être hospitalisé. Je sais pas, j'avais une pensée même de décès. Je vous dis la vérité, j'avoue que le Seigneur me pardonne. J'ai prié là parmi vous dimanche passé en me disant ici j'étais la dernière fois. J'avais vraiment ça en tête, donc que Dieu me pardonne, même j'ai eu peur. Mais je bénis ce Seigneur là parce que je suis là parmi vous et que nous pouvons continuer de servir Dieu. Faites confiance à Dieu. Parfois ça paraît comme un simple mot. Mais tout y est, toute la Bible y est. Quand on fait confiance à Dieu, alors toute la suite s'ensuit. C'est parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu que cela lui fait imputer la justice. Faites confiance à Dieu, ça va aller de mieux en mieux. Je crois que quelque chose a démarré. Et à partir de ces cultes, moi j'ai retrouvé ma sérénité, ma confiance. Les fois où j'étais venu ici, je vous avoue que j'avais une peur bleue en moi-même hein, par rapport à l'Église. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, ne pleure pas. Faites confiance. Faites confiance, il est au contrôle. Ce qui semblait mourir, il a donné vie. Dans ces cultes, ça s'est passé. Il a donné vie, tout. Et la sœur partie qui prie avec cette piscine de Bethesda. Mais une certitude que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Lève-toi et marche. Ne reste plus là-bas. Ne reste pas là, mais nous allons voir durant l'année. Vous préparez la vision de l'année. Nous en parlerons les 31. Tout ce que Dieu a prévu de faire. Hier, j'ai eu la visite de maman Anto et papa Richard à la maison. Ils m'ont tellement fait rire. Et j'ai eu mal, j'étais tellement mal que je ne pouvais pas parler. Mais ils m'ont souri, ça m'a fait du bien de retrouver des frères et des sœurs. Et je sais que les choses sont en marche. Le train est en marche, ça va aller. N'ayez pas peur. Je crois que qu'elle a dit plusieurs fois. Elle a répété une fois, je ne sais pas si elle est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, ne pleure pas. Parce qu'il y a vraiment le moment où on avait envie de pleurer. Moi, personnellement, oui. J'avais vraiment envie de pleurer tout le temps. Quand je suis passé ici, et au culte de Béni, le mariage de Béni, il y a samedi passé, j'avais cette nostalgie-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, ne pleure pas. Ça va aller. Donc ma soeur, toi non plus, ne pleure pas. Ton frère, ne pleure pas. Alors, je reste encore ici 5 jours. Si possible, cette semaine, je voudrais bien voir les responsables des papas, les responsables des mamans, les responsables des jeunes, les responsables de l'accueil et de la louange. Si nous pouvons programmer sur la semaine, si qu'on se voie un peu, qu'on discute, qu'on voie ce que, les orientations que le Seigneur peut nous donner à faire. Voilà, je ne vais pas prolonger indéfiniment. J'avais espéré que la semaine qui a fini, j'aurais été en forme, mais ce n'était pas possible du tout. Parce que là, je me dis, j'ai faim depuis 7 jours, je ne mange pas. Impossible de manger, de boire et la soupe et les poitrines, j'avais toujours pas d'énergie pour organiser les réunions. Mais cette semaine, j'espère en tout cas que ça commencera à aller. On va se retrouver pour travailler. Donc, levez-vous, marchez, travaillez dans l'église, ne lâchez pas l'assemblée. Nos cultes, même si on fait un dimanche sans culte en présentiel, ça ne doit pas être une catastrophe. La lumière doit continuer de briller. Sentons-nous responsables, ne laissons pas la place au cortège des tristesses. Nous sommes dans le cortège de la victoire. Nous sommes dans le cortège de la joie. Voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez quelques remarques à faire, quelques suggestions, quelques questions à poser, n'hésitez pas de me les faire parvenir. Normalement, nos numéros sont toujours publiés sur la page Facebook de l'Église. J'insiste encore dans le temps quand j'ai poussé là-dessus beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas inscrit sur notre groupe WhatsApp de l'Église? Tout le monde est sur notre groupe? Non? Maman Kinyeba. Comment ça se fait?
Bon, alors, on va aller jouer au salon. Où sont les responsables? Je sais. Tu prends les numéros de ma maman Martine. Je l'ai. Tu l'ajoutes dans le groupe WhatsApp. Qui d'autre n'est pas dans le groupe? Hein? C'est pour recevoir toutes les informations. Parce que parfois, nous passons les infos sur le groupe WhatsApp et les gens ne sont pas informés. Ils devraient être informés de ce qui se passe à l'église. Parce que l'église a besoin de vous qui tombent. Alors, quelqu'un d'autre? Qui d'autre n'est pas sur notre groupe WhatsApp? Non, apparemment, tout le monde qui est là. Maman Julie Bilonda, tu es sur le groupe? Ouais. Amen. Quelqu'un d'autre? Ah, je suis très content de voir frère Patrick Lama. Que Dieu te bénisse. Ta présence nous fait du bien, nous réconforte. Sois béni abondamment. Que Dieu... Derrière Yoel Kao. J'espère qu'on aura le temps de nous parler aussi. Voilà, je vous invite à vous lever. Nous allons clôturer ça. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Bonne semaine et à très bientôt. La semaine, on se voit pour une réunion.